Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Qui j'en ai? Est-ce que nous t'es passé nuit là en bien? Encore une autre fois, faut qu'on ait mis information rentrer la caillou pour porter toutes dernières informations sur ça la police a fait en Haïti. Eh bien, faut me dire nous, depuis le président Jovenel Moïse fin installé nouveau PDG qui c'est Léon Charles en tête la police là, faut me dire commencer gè gros changement nan question kidnapping avec ti volè k ap fè zak malhonnête. Eh bien, c'est un coup loco, oui, la police a arrêté jeune garçon ak jeune femme k ap fè zak malhonnête. La police nan commune Delma arrêté yon jeune garçon 23 novembre nan la ki rele Fednel Zami alias Fefe ki gagne seulement 18 ans sous tête li. Li te gen en possession yon fizi M4 d'après sous policier. Fam di nou, nan sa kap pase en Haïti de nos jours, c'est pas adult yo jam de kapab di yon moun ki nan 24, 25 pou rive nan 50 ki gen gros am. Tout ti moun gen gros am nan men. Mbral fò tande sa misye di de zam sa. Je va gagner job sur ma équipe. Alors premier jour j'ai un premier venir ici à eux même. Là j'ai vu la monsieur, la gagne qui a un peu ça me dit bon ça. Alors tu me pour comme de pas pour moi dans zone là tout. Là tu sais qui n'a pas compte à dame ce qui ont tiré à dame. Elle a su côté dame dans le bar et ça. Il bagage ça les mouquer. Comment? Là on va aller tu peux faire monter. Tu dis mais là tu n'as pas pour. Est-ce qu'on t'en donne cousi? Depuis la police mettait main sur yo seulement, ça suffit pour faire yo déparler. Maron si policier ou gen point sur yo, mais de toute façon, depuis yo policier mettait main sur yon bandi ou bien sur yon voleur, sur yon kidnapper, m'pa cache di ou moun sa ou prêt pour yo déparler pour yo fort connait que c'est pas ou. Moi même qu'a présenté nous journal ça, c'est chaque jour mon ouais la police arrêté un lot jeune garçon mêlé avec jeune femme. Donc ça veut dire que opération zéro tolérance là la poursuivre et nous espérer que tout bagaille allait bien parce que mois décembre n'a pas arrivé. Malgré tout, malgré coronavirus là a fait rage, malgré insécurité, kidnapping dans tout a frappé nous dans pays d'Haïti, mais nous espérer que et ça allait mieux. Yon façon pour nous capable circuler, une façon pour nous capable aller dans ti fête nous à chasser stress tout parce que dans pays a de nos jours tout monde stressé, tout monde a couru parce que ou pas kon bon monde ou pas kon mauvais monde. Bon hier femme dit nous pendant que m'étais dans la rue et puis m'a passé dans près de Carrefour, m'a campé, m'a tande pour capable traverser parce que il y a pile machine qui t'a traversé. Mais il y a un groupe élève qui campé pire parce que traverser tout pour rentrer l'école yo. Et puis ça vient passer, il y a une machine qui juste freiner seulement. Donc machine n'a pas qu'in et il semble t'a mettre élève à tête tout. Et puis ti moun yo pou, yo trace son course courir. Ça veut dire que moun yo tellement vin peur de pour machine tenter pour moment là, m'pa cacher dou de pour seulement ralenti moun la gicha. Tellement pays a vinn piégé, mais grâce avec mouvement la police a mené, grâce avec opération zéro tolérance que nouveau DGPNH la vinn avec, nous espérer la pote fuit parce que femme dit nous chaque jour là la police a loté garçon dans pays a dans Port-au-Prince ou ville provinciale. Et femme dit tout, mais c'est vinn avec une nouvelle stratégie et faut pas oublier tout. Il était DGPNH en 2003 sous président Aristide. Nous songe ça qui t'est passé 2003, c'était zéro tolérance, mais malgré ça, vu avec vague et sécurité, monsieur était obligé de démissionner. Donc dans cas ça, semblait pas vinn pour blague nous. Donc Jean Monio kon dil malé mais les m'a tourné m'pa vinn pour comme et m'pa vinn pour jouer. En ce sens, Léon Charles a posé action chaque jour. Et nous capable remarquer dans la rue policiers vraiment actifs
on va cacher dit nous là c'est belle bagaille et gon l'autre grosse stratégie monsieur emploi et tout on va cacher dit nous ça son gros bagaille c'est qui ça donc li essayer changer tout nèg yo poste là me dit changer poste là yo moun ki t'ap travay pou Port-au-Prince ou t'es trop à l'aise yo change yo vo nan ville province ça qui t'es nan province là yo voye le Port-au-Prince là avait dit yo fait décantation ça juste pour capable non seulement mettre contrôle nan la police là et mettre contrôle nan population tout parce que dès que la police a commencé habitué avec moun ki nan zone ni habitué avec tout et ça k'a passé nan zone franchement pa ka fè travail li mais si chaque semaine yo vi ou la gon côté franchement travail yo vo ou fè a c'est li ou fè ou pa ka aller au-delà ni tout ou pa ka fè travail ki contraire avec et la police là et femme di nou tout malgré tout belle bagay sa ou k'a fait nan pays a gen groupe avocat qui dépose yon plainte contre directeur PNH la Léon Charles. Qui ça li dit? M'bral li pou nou, m'ap di nou rete attentif pour que nou kapab bien comprendre qui ça yo di nan texte la. Port-au-Prince, le 23 novembre 2020, au juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince et ses bureaux. Objet plainte avec constitution du parti civil contre monsieur Léon Charles, directeur général, c'est-à-dire de la police nationale d'Haïti et consort, pour assassinat, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, abus d'autorité et violation de droits humains. Honorable magistrat, la dame Elida Kassi, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, maire de Mackenzie, Ville-Dieu, assassinée au Champ de Mars le mercredi 18 novembre 2020. Et les citoyens Gisma Léger, Jean-Rony Jacques, Pierre Denisé, tous victimes personnellement de tentatives d'assassinat propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince. On l'honneur de vous exposer que ces organisations de la société civile et de l'opposition plurielle avaient lancé le 18 novembre 2020 un appel à manifester contre l'ingérence internationale, l'insécurité, le kidnapping, la mauvaise gouvernance et la corruption. Que des dizaines et des milliers de personnes y avaient répondu favorablement aux descendants dans les rues pacifiques. Que les organisateurs de cette manifestation sur la voie publique, conformément à la Constitution et aux lois régissant la matière, avaient pris le soin de notifier la police nationale d'Haïti et de la tenue de cette activité. Que dans la matinée du lundi 18 novembre 2020, par l'entremise d'un huissier de la Cour de cassation de la République, cette notification a été signifiée à la direction départementale de l'Ouest de la PNH. Que partie de différents points de rassemblement Champ de Mars Carrefour de l'aéroport. Cette manifestation totalement pacifique allait être dispersée violemment à la hauteur de Delma 48 aux environs de midi par les agents de la police nationale d'Haïti. Que tous les reporters de la presse nationale et internationale, Armélie Baron de RF, Lini Joseph, Edéo Best, Dimanche de RTZ, Marseillan Jean-Philippe de Radio Méga, Kerby Lindor de RCH 2000, Beethoven François Fils, Hervé Noël et Joubert Joseph de Radio Kiskeya. Les représentants de la presse en ligne ont été du caractère totalement pacifique de cette manifestation. Que toutes les tentatives de mobilisation et de la manifestation en agent Delma 40 Lalu ont été sévèrement réprimées par les agents de la PNH délégués à cette fin. Que des paisibles citoyens qui participaient à cette manifestation pacifique ont été pris en chasse par des agents de la police nationale d'Haïti et visiblement déchaînés, agissant conformément aux instructions de leur commandant en chef Léon Charles. Que le jeune Mackenzie Ville-Dieu, le 22 octobre 1994, âgé seulement de 26 ans, au Champ de Mars a été tiré une balle au cœur par l'un des policiers criminels de Léon Charles. Que transporté à l'hôpital de l'Université d'Haïti,
puis à l'hôpital La Paix, Mackenzie-Villedieu, n'ayant pas survécu à cette mortelle blessure, que des exposants Jesma Léger, Jean-Rony Jacques, Pierre Denisé ont tous été victimes de tentatives d'assassinat dans la zone du Champ de Mars, transformée en abattoir par des assassins de Léon Chan. Le chef de la police nationale d'Haïti, que l'exposant Jesma Léger, âgé de 37 ans, a été atteint d'une balle au dos, balle tirée par un policier. Que l'exposant Jean-René Jacques, 26 ans, a été volontairement renversé par une voiture de police. Que l'exposant Pierre Denisé, 40 ans, a été lui aussi volontairement renversé par une voiture pilotée par des policiers assassins. Que les images de ces deux derniers cas ont fait le tour des réseaux sociaux et n'ont laissé indifférent aucun être humain hormis Léon Charles et ses acolytes. Que ces actes criminels ont été dénoncés par les organisations indépendantes des droits humains. Qu'à la surprise générale, 24 heures plus tard, soit le jeudi 19 novembre 2020, Monsieur Léon Charles, directeur général, c'est-à-dire de la police nationale d'Haïti, a publié un communiqué dans lequel il a félicité les policiers assassins. Que ce faisant, Monsieur Léon Charles a assumer pleinement une association criminelle avec les policiers prédateurs des droits humains. Que ces actes constituent des infractions d'assassinat, de tentatives d'assassinat, association malfaiteur, abus d'autorité et de violation de droits humains, conformément aux dispositions des articles 241, 224, 145, suivi du Code pénal haïtien, annoté par Maître Patrick Pierre, lui. Que ces comportements sont également punis par les conventions internationales régissant la matière signées et ratifiées par Haïti. En conséquence, l'honorable magistrat, les exposants vous demandent de prendre toutes les dispositions de droit afin de faire comparaître par devant votre chambre d'instruction criminelle, Monsieur Léon Charles, et tous aussi policiers impliqués dans les actes criminels ci-dessus exposés, les renvoyer tout par devant le tribunal compète pour y être jugé. Ce sera droit, justice, équité. Personne n'est au-dessus de la loi. Elida Kassi plaignante, Jesma Léger plaignante, Jean-René Jacques plaignante, Pierre Denisé plaignante, Iswik Théophane avocat, Marc-Antoine Maisonneuve avocat, Darlene Moïse avocat, Jacques Philippe avocat, André Michel avocat. Ça c'est plainte que vous déposez pour le nouveau DGPNH là qui c'est Léon Charles. Mais face avec toute situation ça, vous faut me dire nous, moun yo gon jan yo créé insécurité yo. Moun yo gon jan yo créé des odieux entre yo, après ça yo fait tout parler en pile. En Haïti, faut me dire nous, depuis on bagay a fait li pas aller en faveur un groupe, franchement c'est eux même qui bête noyé. M'espérer que la police a continué fait travail li, et non seulement ça tout, il a continué avec méthode zéro tolérance là, une façon pour nous capable ralon souffle, une façon pour moun ki deyo capable rentrer dans pays yo, vinn prendre ti plaisir à l'aise et vinn wè famille yo à l'aise tout. Non pas m'se Foucault, mesdames et messieurs, n'a croisé dans une autre vidéo. Toujours été connecté sous channel ça parce que là n'a ba ou toute information sans fausse côté.